Bonjour, c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play sur Kenna Breath of Pilwitz. Donc nous allons continuer l'aventure. Alors, où est-ce qu'on en était déjà? Je ne sais même plus où on en était. Hein. Marquer les emplacements des sanctuaires sur la carte. Ah oui, c'est vrai, on avait des espèces de sanctuaires là qui étaient indiqués sur la carte. Donc nous allons eh bien, avancer. Hein. Donc nous sommes aujourd'hui le 26 avril 2023, hein, donc alors attendez, parce que là ça fait un moment. Oui, d'accord. Attendez que je me souvienne des commandes là, hein, parce que... Ah, bien! Je vois que c'est bien, hein. Donc on va essayer de tuer. Je me concentre un minimum sur ce que je fais, d'accord hein. J'aimerais pouvoir. Donc on va régénérer l'énergie. C'est important. Voilà, donc ça, celui-là, il est mort. Alors attendez, attendez, puisque là. Mais attendez, comment sont les. Quels sont. Comment. Attendez, hé. Hey. Voilà. Ah, c'est bon. Que je me souvienne des commandes, hein, parce que là, un petit peu de mal. Attendez, parce que là... Alors, lui, il est mort. Très bien. Attendez, mais il y a des ennemis qui me tirent dessus, là. Voilà, très bien. Lui, il est mort. Attendez, je vais peut-être baisser légèrement le son de mon côté. Voilà, ça va être très bien comme ça. En même temps, si je ne vise pas l'ennemi, ça va pas aller. Hein. Là, je joue très mal, très très mal. Hein. Ils sont morts d'ailleurs. Ils sont morts ou ils sont pas morts? Et là, j'entends la musique qui continue. Ah non, c'est bon. Bon, là, on a une espèce de poison étrange. Attendez, on va aller un petit peu en hauteur. Allez hop, on va détruire ça, très bien. Laissez-moi vous détruire, laissez-moi vous détruire, c'est pour votre bien, voilà. J'adore les combats dans le jeu, les combats sont vraiment très bons. C'est-à-dire que c'est vraiment bien dynamique, et puis les vibrations dans la manette, c'est très agréable. Voilà. Abruti. Attendez, il faut être un abruti, mais de base! Mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est, je suis plus capable de jouer correctement, c'est ça? Tu me laisses te tuer, c'est pour ton bien. Oui, bien. Alors, on va régénérer l'énergie. Bah oui, tiens. En tout cas, je me débrouille peut-être déjà un petit peu mieux que la dernière fois, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas trop compliqué de faire mieux. C'est pas en bourrant qu'on va forcément réussir. Hein. Moi, j'ai toujours envie de bourrer les ennemis, là, de les frapper, mais il faut que je pense à esquiver, hein, parce que sinon, ça va pas aller. Hein. Bah oui. Donc apparemment, là, on vient de purifier un tout premier sanctuaire. Attends, nous allons nous adresser à ce personnage, j'ai déjà oublié le nom. Donc la neige fondante du sanctuaire de la montagne alimente ces ruisseaux. L'eau ici est sacrée. Oh, ici. Très très bien. Alors nous, oui, nous avons purifié, là, entre guillemets, là, nous avons pacifié le premier sanctuaire. Une fois de plus, je vais me répéter, hein, mais c'est très 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 joli ce qu'on voit. Hein. Alors, où est-ce qu'il faut aller exactement? Faut-il aller en face? Je ne sais pas. Ouais, on dirait bien.
Bon, écoute, on va aller en face, on va voir. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il y a par là-bas. Utiliser des rotins. Ben, c'est bien beau, hein. Mais c'est bien beau d'aller dans la flotte. Attendez, comment je fais pour sortir de l'eau, là? Parce que là, je crois que je viens de me coincer, là. Que là j'appuie sur relâcher objet et là il ne veut rien faire. Donc on avait un bug lors du dernier épisode, là on a encore un bug là. Ce qui est assez scandaleux là. Allez, on va essayer de se sortir de là. Ah voilà, c'est bon. Donc où faut-il donc mettre cette pierre? Bah pour le moment, on n'est pas plus avancé, là. Hein. Où est-ce qu'il faudrait mettre ça? Ah, faut la mettre au milieu, là-bas. Donc, on va mettre la pierre à cet endroit-là, ici. Et ça, oui. Relâcher objet. Donc, normalement, les... maintenant, c'est pas bon. Bah non, faut la mettre ici. Donc, utiliser les rotes et on met la pierre, voilà, à cet endroit-là. Très bien. Et donc ça, pareil. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là? Je vous ai demandé... Attendez, ah oui, d'accord. De vous placer au milieu, ici. Voilà, déplacer l'objet, très bien. Voilà, bien. Et donc ça, ils vont prendre cette pierre-là, la déposer à cet endroit. Relâcher objet. Et normalement, c'est censé faire quelque chose. Alors... Ah, sauvegarde. Donc on va, il va se passer quelque chose ici, non? Si je regarde la carte, bon. Non, je ne sais pas. Parce que bon, on vient de faire quelque chose, mais après je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Ah, attendez. On n'aurait pas un truc à détruire là-haut, là? Ah bah si. Donc ça, on va le... On va détruire cette corruption. Parce que je ne sais même pas... où sont les sanctuaires là? Ah bah si, c'est ça les sanctuaires. Donc il en reste encore deux autres. Ces sanctuaires ont été bâtis sur des lieux de pouvoir. Les pierres sont enfouies profondément, connectées au flux d'énergie sous la terre. Voilà. Évidemment, on est bien avancé. On est bien avancé. Oui, graphiquement, c'est très joli. Au niveau de la direction artistique. Tu vois, en fait, il y a plein de jeux qui sortent sur PlayStation 5. Enfin, plein de jeux récents. Qui, certes, ont des graphismes très jolis. Hein, c'est, au niveau de la technique, c'est-à-dire que voilà, les textures sont de bonne qualité. Quand on marche sur l'herbe, il y a une interaction. Les effets de lumière, c'est joli et tout ça. Mais... malgré ces graphismes de très bonne qualité, il n'y a rien qui se dégage du jeu. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, quand tu, visuellement. C'est-à-dire que, à la fois, c'est beau, mais en même temps, c'est tellement générique et basique que finalement, bah, c'est pas si beau que ça, quoi. Alors que ce Kena Bridge of Spirits, non seulement au niveau de la technique, c'est joli, hein, les ombres, les reflets, etc., mais en plus, au niveau de la direction artistique, de la patte graphique du jeu, il y a quelque chose qui s'en dégage. Voilà. Alors, l'arbre gardien a été évidé par le feu, mais il a perduré. Ses racines sont profondément ancrées, le connectant aux sanctuaires anciens. Purifier des sanctuaires pour ouvrir la porte. Voilà. Donc, il faudra aller dans cette porte-là. Enfin, faudra passer cette porte par la suite. Pour le moment, nous devons purifier les différents sanctuaires. Alors, nous avons des choses ici. Donc, oui, par exemple, le jeu Forspoken. Bon. Outre
le fait que le jeu n'est pas exceptionnel, hein, au vu de l'engouement autour de ce jeu qui n'aura pas été très très long, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est-à-dire que Forspoken, il est sorti quand ? Il est sorti à la fin du mois de janvier, hein, je crois peut-être le 24 janvier peut-être. Bon, dès le début du mois de février, on n'entendait plus parler, quoi. Hey, après, il y a une raison, quoi, je veux dire. Enfin, moi, j'ai téléchargé la démo de Forspoken, j'ai essayé. Dès le début, m'en kikiné, je suis même pas allé plus loin. Hein. C'est-à-dire que j'y ai à peine joué que ça m'en kikinait. Donc j'ai préféré ne pas aller plus loin, hein, parce que non merci, quoi. Il y a des limites, quoi. Non, Forspoken n'est pas intéressant. Et peut-être que graphiquement, en plus graphiquement, bon, il est pas exceptionnel, mais je veux dire, il est de bonne qualité visuellement. Et pourtant, il n'y a rien qui se dégage du jeu, quoi. C'est générique, visuellement, c'est basique. Il n'y a rien qui s'en dégage. C'est peut-être de bonne qualité, hein. Voilà, peut-être que les lumières sont bien faites, etc. Oui, mais non, c'est moche, quoi. Enfin, c'est pas beau, il n'y a rien qui s'en dégage, quoi. Donc déjà, ça donne pas envie. Alors que... la direction artistique n'est pas intéressante. Oula, attention là, attends, c'est en temps limité là. Hein. En temps limité. Vous me laissez vous tuer, c'est pour votre bien. Attendez, hey, j'ai pas assez de temps hein, pour tuer tout le monde là. Attendez, hey! Mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas, celui-là? Oh là, attention là, hein, il faut se dépêcher là. Hein. Dépêchons-nous de tuer tous ces ennemis. En même temps, il y en a qui sont partis à 3 km. Vous me laissez vous tuer. Et mais c'est pour votre bien, enfin. Allez. Attention, et puis il va mourir, hein. C'est pas vrai ça! Et maintenant il meurt! Hein, on va recommencer ça jusqu'à temps que ça fonctionne. Attends, c'est quoi ce bazar là? Vous me laissez vous tuer, c'est pour votre bien. Bon, en voilà un. Bah oui, fais-toi toucher! Bien sûr! Bah alors, j'ai utilisé les rotes. Hein. Ah voilà. Voilà. Ah bah c'est bon, ça y est, ils sont morts. Ah voilà. Donc ouvrir. Alors qu'est-ce que ça me libère ce truc-là? Bon, récupérez-moi ça. Un nouveau chapeau. Ah bah tout ça pour un nouveau chapeau. Hein. Bon, c'est pas non plus... La récompense du siècle. Hein. Donnez-moi de l'argent, ça sera toujours bien. Ah, on peut retenter les... Oui, c'est vrai qu'on peut retenter les petites épreuves comme ça, là, en temps limité. Alors, si je tire là-dessus, qu'est-ce que ça va faire? Oui, ça va me donner de l'argent, c'est bien. Alors là, on a un truc à purifier... Ah, faudra que je revienne en arrière. Bon, comment on purifie cet endroit? Peut-être en tirant des flèches là-bas. Ah oui, on dirait bien. Peut-être là-bas également. Donc ça, j'ai déjà fait normalement, hein.
Alors, est-ce qu'il y a encore un dernier truc à allumer, là? Alors, il faut que... Ah, peut-être qu'il faut essayer de le faire rapidement, non? Mais évidemment, bien sûr. Eh, c'est phénoménal. Même plus fichu de jouer. Bah, il va là. Il faut que les quatre trucs soient allumés. Un, deux, trois. Et donc le quatrième. Mais enfin! Oh, mais comment ça a été fait ce truc-là? Alors un coup ça part en bas, un coup ça part en haut. Faudrait peut-être savoir, non? Alors j'attends que les flèches se rechargent là. Hein. Ouais, il serait préférable. Bah oui, bien sûr. Donc petit 1, voilà. Petit 2, voilà. Petit 3. Très bien. Et donc on a le petit 4 là-bas. Bon, c'est bon ou c'est pas bon? Ah! Mais oui, venez, venez me tuer! Ah, parce qu'en plus, il faut tuer les ennemis dans le temps limité, c'est ça? On va aller voir l'autre, l'autre sanctuaire ou l'autre machin, là. Alors, c'est pas où, c'est par où, là? C'est par là-bas qu'il faut aller. Ça a encore été bien fait, ça. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire là-bas? Ah, bien. Donc on va recommencer de nouveau, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bonne question. Ah, bah ça me donne de l'argent. Bah tant mieux, hein, écoute. Hein. J'aurais bien aimé sauter sur le truc. Ah, bah attendez, on peut là. On... Comment ça, on peut pas? Donc, un coup on peut, un coup on peut pas, c'est ça? Ah, c'est vrai qu'on peut aller en hauteur là, j'ai pas vu ça. Tiens. Attendez, c'est pas mal là, attendez. Et comment on fait au juste pour aller là? J'observe un petit peu. Ah bah non, il suffit d'aller en haut en fait là. Alors on a des trucs de part et d'autre de cet endroit. Mais ici il n'y a rien de spécial à faire là. Normalement. Si j'observe bien, à moins que... Non, on n'a pas d'indication particulière. Ah, il y a tout un... Il y a pas mal de choses en hauteur, là. Ah, voilà. Vas-y, tombe! Ah, d'accord, elle meurt carrément. Je vois que c'est bien, visiblement. Je vois que c'est bien. Parce que comme tout le monde le sait, c'est le but du jeu, n'est-ce pas, hein? C'est... Ça a toujours été le but du jeu. Bien, donc on se retrouve pour la suite hein, et la fin, là, sûrement de... Bah oui, enfin, sûrement et même obligatoirement de cet épisode, de ce troisième épisode sur Kena Bridge of Spirits. Alors, j'ai certaines choses à expliquer parce que là, il se passe des choses assez scandaleuses, mais on va y revenir.
un petit peu après dans les minutes qui vont suivre. Alors là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il faut suivre l'ordre des bougies. Là, il y a des bougies, il faut suivre l'ordre. Voilà. Et donc, il faut les allumer dans l'ordre, ces machins-là. Donc, j'ai passé je ne sais pas combien de temps à réessayer ça, alors que ça sert à rien. Ça ne sert à rien, il faut suivre l'ordre des bougies. Vous voyez, là, il y a une, deux, trois, quatre bougies. Et donc, il faut allumer les espèces de stèles dans le même ordre. Voilà. C'était tout bête, mais il fallait y faire attention. Bon, donc... Donc là, nous sommes le 13 mai 2023. Là, ce qui se passe est assez scandaleux aujourd'hui. Je suis extrêmement énervé. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi énervé parce que là, c'est scandaleux ce qui se passe. J'étais censé aujourd'hui vous proposer un épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, le premier épisode du Let's Play. Or, le jeu n'est toujours pas arrivé. Il y a eu apparemment une erreur d'acheminement par la poste. Bon. je ne sais pas quand est-ce que je recevrai le jeu. Donc j'essaierai de vous proposer l'épisode eh bien, le samedi prochain, samedi 20 mai, enfin je l'espère. Donc déjà je suis bien énervé à cause de cela parce que je dois encore attendre, c'est-à-dire que j'ai dû attendre, on a tous dû attendre jusqu'au 12 mai avant de pouvoir jouer aux Zelda, mais non, mais moi je dois attendre plus longtemps parce que le jeu n'est toujours pas... le jeu n'est toujours pas arrivé, problème d'acheminement, qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus de cela, eh bien, il y a une partie de la vidéo que j'ai tournée le 26 avril, je crois, qui est corrompue. Donc, il y a une partie de la vidéo que vous ne verrez pas, voilà. Et en plus, c'est la partie la plus intéressante. Lorsqu'on est en hauteur, là, et eh bien, ça, vous ne le verrez pas. En plus, il y avait un combat, il y avait des ennemis qui étaient, il y avait un combat contre... contre certains ennemis là qui étaient plutôt pas mal fichus et bien tout ça vous ne le verrez pas pour la bonne et simple raison que cette partie là est corrompue. Donc évidemment je suis content, on est tous contents. Donc écoutez, que je vous dise, c'est comme ça, Donc cela mène à la grotte aux lanternes, une relique s'y trouve certainement, mais il nous faut quelque chose de puissant pour briser cet obstacle. Donc voilà, cet épisode de Cannabis Just Released n'était pas prévu pour ce samedi 13 mai, c'était censé être la vidéo de Zelda, j'avais prévu pour le 20 mai. Donc là, nous sommes le 13 mai, c'est-à-dire que je tourne cette vidéo, la fin de cet épisode en urgence pour pouvoir vous le proposer aujourd'hui, voire demain si jamais c'est pas... publié au bon moment. Écoutez, on verra bien, mais bon, là, je suis obligé de tourner cette vidéo en urgence. Je n'ai pas reçu Zelda comme il faut. Et en plus, il y a carrément une partie de la vidéo que j'ai tournée qui est corrompue. Donc, tout va bien, n'est-ce pas, tout va bien. Bah oui, forcément. Donc là, comptez pas sur moi aujourd'hui pour être très aimable. Là, je suis extrêmement hautement énervé. Voilà. Ça se passera de tout commentaire. D'accord, ça se passera de tout commentaire, évidemment. Donc. Alors, que faut-il faire? Faut aller là-bas. Donc, on va se téléporter. Trop loin du sanctuaire de téléportation, ah bon? Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Allez, on peut se téléporter, mais à condition qu'on soit à côté. Je sais que ce truc encore. On peut se poser quelques petites questions, n'est-ce pas? Donc là, je sais pas ce que je fais. De toute façon, vu le point où on en est, j'ai envie de dire, voilà quoi, c'est... Mais quand on... Là, on a atteint un stade où, voilà, ça sert à rien de vouloir faire les choses correctement, de toute façon... quoi, ça servirait, quoi, de toute façon, voilà, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Oui, allez-y, oui! Oh, mais c'est de la saleté, là! Ou s'il faut être rapide pour faire ce machin-là, là.
Eh oui, allez-y. Bon, il y a intérêt à ce que ça évite tout ça, hein, parce que là, pas non plus toute la journée pour tout ce, pour toutes ces âneries. Au secours. Ah, hein, je vous le dis. Hein. Au secours. Mais oui, vas-y, tire par-dessus, tire au-dessus. Mais quand veux-tu être suffisamment rapide pour détruire les quatre machins, là? Il faut être d'une rapidité assez, assez prononcée. Surtout, d'autant plus qu'il ne faut pas se planter. Hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller en face. Donc là, il y a un coffre que je n'ai pas eu, oui. Alors, attendez, parce que là... Hop, tu vas me récupérer tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Masque des enfants, nouveau chapeau de rote disponible. Oui, oui, c'est bien, oui. Alors, évidemment, donc... Alors ça, c'est très mal fait parce qu'on peut pas sauter. On est dans la flotte, mais non, on ne peut pas sauter, voilà. Donc on est obligé de... Voilà, de... Bon. Pas trop comment ils ont conçu ce truc-là, alors... Où est-ce qu'il faut aller exactement? Mais trop loin du sanctuaire de téléportation. Bah, je suis juste à côté, il me dit que c'est trop loin maintenant. Bah, c'est même pas que je suis trop loin, c'est que ça ne fonctionne pas, votre truc. C'est ça, la réalité. Alors, je vais même pas dans la bonne direction. C'est par où, en fait, qu'il faut aller. Donc, apparemment, c'est par là-bas. Ouais, c'est quand même assez suspect, hein. Il y a des choses assez suspectes, visiblement. Alors. Ah, on va à peu près dans la bonne direction. Ah, il y a maintenant. Hein, il y a maintenant, ça va plus. Quoi. On va pas y passer la nuit non plus. Hein. C'est quand même pas compliqué. Hein. On a déjà perdu suffisamment de temps comme ça. Hein. Alors, je vais pas non plus rusher le jeu, hein. Je vais pas non plus aller à fond, je vais prendre mon temps. Hein. Je vais à la vitesse normale. Même si j'essaye tout de même de pas trop traîner non plus. Hein. Bon, ça va, les textures sont plus ou moins de bonne qualité. Après, ça dépend des endroits. Hein. J'ai vu 2-3 petites abominations qu'il vaudrait mieux ne pas voir. Hein. Et sur lesquels il ne vaudrait mieux ne pas trop s'attarder. Enfin bon, on se passera de commentaires une fois de plus. Hein. Oui, de toute façon, pour cette vidéo, on se passera de commentaires. Hein. Donc les 4 sanctuaires ont été mis en place, c'est ça. Et donc maintenant, on a un boss, on a un truc. Hein. Je sais pas, oui. Bah oui, mais si tu pouvais le viser, ce serait bien. Bon, meurs, comme ça tu vas pouvoir recommencer là. Voilà. D'accord. Allez, ouvre-moi ça. Alors. Mais je t'ai demandé de viser cet ennemi. Que c'est de la daube, enfin. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il nous tue en 3 coups, celui-là. Tout est normal. Hein. Oh, c'est pas possible, enfin. Alors qu'est-ce qu'il fait là?
Mais il nous tue en trois coups. Ah, je vous jure. Ah, bah c'est normal que ce soit compliqué. Il te tue en trois coups, celui-là, en même temps. Tu veux que je te dise, hein. Et voilà, bien sûr. Bah oui. Bon, il faut pas bourrer, hein. Voilà. Allez, vas-y, meurs, parce que de toute façon... Ça nous tue en trois coups, celui-là. Aucun moyen de recharger notre énergie, là. Hein. Regardez, il y a aucun truc hein, pour recharger ses PV, là. Hein. Aucun moyen de recharger ses PV. Ça, tout est normal, j'ai envie de dire. Allez, viens donc me combattre. Viens donc ici. Mais j'ai fait l'esquive, bande d'abrutis. Ah, je vous jure. Allez, viens là, un peu. Là. Je fais l'esquive. Il y a de la débilité à son paroxysme, là, moi, je vous le dis. Je fais l'esquive. Je suis pas censé me faire toucher. Ah, ça y est, on va encore y passer 50 000 ans, à ce truc-là, là. Ah, ça y est, c'est n'importe quoi, là. Ah là là. Du grand délire. Et voilà, oui. Allons-y. Mais je fais l'esquive. À la corde, d'un seul coup, il bousille toute notre protection. Donc oui, il faut esquiver avec le bouton esquive, hein, tout simplement. Enfin bon. Bon, faut quand même se tenir à distance, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut se tenir à distance du machin. Mais que c'est de la daube. Comment veux-tu l'esquiver? J'appuie sur le bouton esquive. Au bout d'un moment, on va pas non plus faire 50 000 trucs, quoi. Regarde ça, je lui tire dessus, ça lui fait que dalle. Mais c'est de la daube, hein. Hey. On a quand même atteint... Mais regarde ça, quoi. Je suis à 3 km de lui, mais je me fais quand même toucher, quoi. Eh, hey. Voilà. Que veux-tu que je te dise quand on est face à ça? Ça porte quoi quand même? Non mais je veux bien que ce soit exigeant, que ce soit dur, mais quoi? Regarde ça, voilà. J'appuie sur le bouton esquive, mais évidemment il se passe que dalle. Ben oui, vas-y. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Oui, non mais c'est pénible, quoi. T'as aucun moyen de recharger ton énergie, en plus. Désolé, les gars. Même dans un jeu From Software, un jeu Dark Souls ou je sais pas trop quoi, tu as des potions. Là, y a aucun moyen de recharger ton énergie, quoi. Regarde-moi ça. Et tu meurs en trois coups. La débilité, voilà. Que veux-tu que je te dise quand on est face à ça? Au bout d'un moment... Oh là là, mais en plus t'as pas 50 000 moyens de faire l'esquive. Soit tu l'as fait vers l'arrière, soit tu l'as fait sur le côté. Bon, bah là je l'ai fait sur le côté quand c'est que ça fonctionne pas, quoi. Et vas-y! C'est de la daube. Je l'esquive. On est quand même obligé de bourrer un petit peu, hein. Voilà, hein. Faut quand même bourrer, mais pas trop non plus. Mais je suis désolé, j'esquive, quoi. Jusqu'à un coup, ça fonctionne, et puis le coup d'après, ça fonctionne pas, quoi. Hein.
Ouais, là, il est incompréhensible que je ne lui sois pas fait toucher. Et voilà, là, par contre, j'appuie sur le bouton esquive, mais il esquive rien. Mais oui, on est gêné par le décor aussi. Qu'est-ce que c'est que cette arène, enfin? Et voilà, et voilà. Mais j'esquive en arrière, et le truc, il va sur le côté, que je te dise au bout d'un moment. C'est pas de ma faute. Mais esquive-le, mais il est pas fichu de se mettre à 3 km. C'est quand même assez dingue. Et voilà, deux fois de suite. Donc t'as beau te mettre à 3 km, c'est pas ça qui va changer la donne. Regarde-moi ça. Allez, ça sert à rien, meurs, voilà. Heureusement que les temps de chargement sont rapides, hein, je vous le dis, hein, parce que sinon ça serait très très mal passé. Je fais l'esquive. Mais c'est insupportable ce truc. Mais comment ça a été fait? Aïe, aïe, aïe. Je fais l'esquive et deux fois de suite il se fait toucher. Et regarde ça, il est bugué dans le décor. C'est quand même assez mal fait. L'arène est pourrie. Les décors nous gênent. Regarde ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, les décors nous gênent, on voit que dalle. Et voilà, j'appuie sur le bouton esquive. Voilà, et là par contre je suis pas fait toucher là. Et deux fois de suite, coup sur coup, évidemment. Puis c'est même pas un vrai boss, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a que 3 attaques, le truc. Mais regarde ça, je fais l'esquive. Mais je fais l'esquive. Eh, je fais l'esquive. Au bout d'un moment, quand tu qu'on fasse, hein, j'ai envie de dire. Évidemment, il attaque dans le vide, maintenant. Mais il se fait coincer par les décors. L'arène n'est pas assez grande, hein, moi je vous le dis, hein. On n'a pas de place. Donc là, je viens de trouver dans les menus, là, je viens de débloquer une espèce de d'attaque, là, qui à mon avis va être fortement utile. Maintenez R2, puis appuyez sur carré, ou je sais pas trop quoi. C'est vrai qu'il y a des améliorations à avoir. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça, oui. Ça, j'y avais pas pensé. Aux espèces d'arbres de talent, là. Donc, est-ce qu'on peut débloquer ça? Non, on peut pas débloquer pour le moment. Ouais, voilà. Ça, donc ça m'a l'air pas mal, ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah, bien. Très bon début. Mais j'appuie sur carré, là. Hein. C'est bien ce qu'ils ont dit, non? Appuyer sur carré. Amélioration. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas le faire avec l'autre, là? Ah oui, d'accord. Donc évidemment, il vient de se coincer dans le ce qu'il y a sur les côtés. Hein. Bon. Ah oui, donc en fait, là, je peux le faire n'importe quand. Et quand on commence le boss, non, il faut remplir la jauge. Il faut d'abord remplir la jauge de trucs, là. Fais-toi toucher. Oui, c'est le but du jeu. Ah, évidemment, j'étais trop loin. Oui, enfin bon, hein, c'est peut-être bien utile, mais enfin bon, là, hein. Il n'empêche pas au personnage de se faire toucher, j'ai envie de dire. Hein, donc,
Ah. Mais c'est pas possible, quoi. On esquive, mais on se fait quand même toucher. Je trouve ça dingue, quand même. Vous trouvez pas ça dingue, vous? Voilà, on se fait... On esquive. Esquive. On est chez les tarés, là, hein, quand même. Voilà, on était presque au bout, mais non. Aïe, 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 aïe. Hein, c'est phénoménal quand même. Mais j'esquive. Alors, il faudrait peut-être rappeler aux développeurs qu'il y a ce qui s'appelle l'option esquiver, hein, les gars. Il y a l'option esquiver qu'ils ont implémentée dans le jeu. Pourtant, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien d'esquiver. De toute façon, on fait toucher, j'ai envie de dire. Une fois sur trois, voilà. Hein. Donc cette fois-ci, ça devrait être bon. Enfin, je l'espère. Enfin, le voici. Enfin, il est enfin mort. Donc en fait, oui, pour le... Alors qu'est-ce qu'il faut faire, là? Donc il fallait bel et bien débloquer l'espèce d'amélioration bizarre là. C'est compliqué sans l'amélioration. Hein. Maintenant que j'ai l'amélioration là, c'est beaucoup plus simple. Hein. Bon. Donc nous laissons des offrandes près de l'arbre gardien dans l'espoir qu'il protège nos êtres chers. Taro a laissé ceci pour les enfants, il a dû être tellement épouvanté lorsqu'il les a perdus. Un bon nombre des offrandes se trouvant ici ont été remplacées par les premiers chefs du village. Des chasseurs doués qui utilisent l'énergie des esprits pour créer des armes puissantes. Je suis sûr que l'arbre gardien ne sera pas dérangé si nous les utilisons pour aider Taro. Oui, le trophée, ça se sera viré à la poubelle. Non, ça sert à rien tout ça. Relique de découverte, offrande de nourriture, fermée, oui. Regret de Taro, purifier la corruption dans la grotte aux lanternes. Bien. Oui, oui, oui. Ah, niveau 2, attention là. Les rôdes peuvent désormais effectuer plus d'actions. Bah, ce serait pas de refus. Bon, à quoi ça sert cet endroit-là? Parce que là, ils posent tous là, des points d'interrogation, ce qui est assez suspect. Alors, faut aller où, là?
Regrette Taro, faut aller là-bas. Hein. Alors là, c'est suspect parce que c'est marqué épreuve, donc bon. Chemin de la grotte aux lanternes, nuit. Et là, il peut se téléporter ou pas, là? Ah, là, il peut. Mais avant, il pouvait pas. Sauf que l'excuse du jeu pour laquelle je ne pouvais pas me téléporter auparavant, c'était que les lieux de téléportation étaient trop loin. Mais dans ce cas-là, ça sert à quoi de proposer une téléportation si c'est trop loin, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Non, c'est tout simplement qu'on ne pouvait pas. Hein. Donc j'ai mis un... On ne peut pas faire une action, mais la justification est mauvaise. Oui, hein. On peut se poser des questions. Hein. Alors apparemment, c'est dans le coin qu'il faudrait aller. Où est-ce que c'est exactement? Ah, il faut aller là-haut. Donc, on a en haut un chemin sur lequel nous devons nous diriger. Mais par contre, comment y aller? Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on fait pour aller là-haut, là? Regardez ça. Parce que c'est bien le... Oui, c'est bien le chemin à parcourir pour se rendre en haut. Quoique... Maintenant, on est obligé d'aller là, hein. Après, c'est ouvrez le chemin menant à la grotte aux lanternes. Hein. Parce que c'est marqué sur, en haut à gauche de l'écran, là. Purifiez la corruption dans la grotte aux lanternes et ouvrez le chemin menant à la grotte aux lanternes. Donc, il faut d'abord aller au point d'intérêt bleu, là. Donc, c'est normal que je ne puisse pas y aller pour le moment. Donc, on va se diriger au chemin menant à la grotte... à la grotte aux lanternes. Alors, c'est par là. Oui, c'est bien par là. Bon. Donc, très mauvaise vidéo que je vous propose aujourd'hui. Très mauvaise. Hein. Ah oui. Ça ne s'arrange pas, visiblement. Oula, bah, qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir régénérer l'énergie, là. Alors là, on m'a balancé un truc. Bon, ça m'a pas l'air extraordinaire. Hein. Que je me souvienne de des commandes, déjà. Hein. Là, j'esquive beaucoup, je fais des esquives, mais... Puisque Ah, il est pénible, lui, là. Hein. Fais-toi toucher, bien sûr. Ah là là, enfin un long tout de même, là. Attention, hein. Ah d'accord, carrément, il recharge son énergie, l'hôte. Ah, bien. Hein? Oui, l'espèce d'ennemi bizarre a carrément rechargé son énergie. Hein. Bon. Mais bon, nous en sommes venus à bout sans mourir, donc tant mieux. Par contre, il y a un bug, là. Hein. Y a un... Parce que, je sais pas, je voyais la gauche de la barre de vie et s'allumer en rouge. Je trouvais ça assez suspect. Bon. Donc je ne connais pas quelle corruption vous attendra la grotte aux lanternes, mais j'imagine que l'esprit de Taro se battra jusqu'au bout. Bon. Mmh. Mais c'est bien.
Bon, ça, ce sera l'objet du prochain épisode. Hein. Je pense que là, il y a matière à faire un épisode en entier. Là, je pense que la vidéo durera une heure. Hein. Plus ou moins, on verra bien. Ça a bien été sauvegardé. Parfait. Bien. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Grand n'importe quoi. Hein. Grand n'importe quoi aujourd'hui. Il intéresse que ça se déroule bien mieux la prochaine fois. En espérant que la vidéo soit publiée à la bonne date aussi. J'ai envie de dire, tout ça ne serait pas arrivé si j'avais eu le Zelda Tears of the Kingdom aujourd'hui. Voilà ce que j'ai envie de dire. Si j'avais eu le jeu à temps aujourd'hui, bah, je vous aurais proposé le premier épisode de Tears of the Kingdom et il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous aura plu, même si bon, c'est du grand n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager. Et donc, je vous dis à la prochaine.